Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. En partiel, opération à faire traiter du 21 octobre à date. Et ensemble d'opérations sérieuses à faire traiter, c'est sous tout département, notamment à la direction centrale de la police judiciaire. En total, il y a 760 arrestations qui faites, dont une soixantaine pour enlèvement, complicité d'enlèvement, détention illégale ZAM, trafic de drogue, trafic de marijuana, assassinat, association malfaiteur, viol. Gagné 5 personnes qui malheureusement mourent dans un accident de circulation, il y a 15 autres qui blessés, toujours dans un accident de circulation, et il y a 2 tués avec des armes blanches. Pour Pipiti, il y a 15 armes que la police saisit et confisqué du 21 à date. Suite à l'opération dans le Nord-Est, la police menait mardi hier. Dans un dépôt qui est le CAI Nantiga. Côté que la police saisit 4 fusils d'assaut de Calan et Jean-Louis Marcelin. Hier matin, bandits armés volaient un camion MAC, année 1997, de couleur verte, numéro Plaxa, CTM. 38-944 qui tape transporté marchandises pour aller Gonaïve. Sur route nationale numéro 1, hein, la police joue un camion ça dans Kafou, Fougui, qui dans quoi des bouquets et gagné échange de tir, gagné 3 présumés bandits qui étaient l'ouvrisam avec la police, avec un patrouille. Et suite à échange de tir ça, Gagnon, Jevenson François, un jeune de 20 ans, qui blessé mortellement malheureusement. Il est en possession d'un calibre pistolet, de calibre 9 mm, et qui c'est ZAMSA qui falsifié, qui c'est ZAM Police Nationale d'Haïti. Et suite à un mandat et un avis de recherche que la police a lancé contre Émile Pierre Fouchard. N'a pas rappelé que samedi 15 mai 2021, M. était trouvé le nom club qui, au niveau de MA 75, qui est le Crime Bar, qui lui-même, suite à une altercation, on dispute avec un photographe, littéralement les amener et gagner un policier, malheureusement, qui était. Les policiers, ça, que M. était tué jour ça, il est Jude Maurice, qui était dans sécurité rapprochée, ancien ministre Kilti à communication Pradel Henriques. Côté que, il y a plusieurs personnes qui étaient blessées tôt, lors de fusillade ça, nous capables. Suite à l'assassinat président Jovenel Moïse, qui était fait dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, DCPJ, par intermédiaire de Interpol, tu as sollicité une notice rouge qui est équivalent à un mandat d'arrêt international contre Samir Andal pour implication présumée dans l'assassinat président. Et c'est suite à notice rouge ça que DCPJ t'a informé depuis vendredi que lui te prend vol pour la Turquie, de Miami à Turquie. Et à Turquie, et pour lui aller dans le pays Moyen-Orient. Et suite à contact DCPJ, établi avec FBI, également avec le ministère des Affaires étrangères, qui fait liaison pour DCPJ avec la Turquie, et il possède l'arrestation Samir Andal, et pour le moment, il y a 3 agents qui sont désignés pour aller chercher Samir Andal à Turquie.
ça, c'est mandat que la justice haïtienne te met contre lui. Et c'est ça, c'est une notice rouge là, qui est équivalent à un mandat d'arrêt international via Interpol. DCPJ arrêté le 14 novembre 2021. Cher Wilgens, qui était hospitalisé dans un centre hospitalier au niveau tabac, côté que l'Ital prend soin, et suite à échange de tirs que j'ai gagné avec la police, dans quoi des bouquins, et pour le moment, il est sous contrôle de DCPJ. Également, la police possède l'arrestation Wenson Hippolyte, qui c'est lui-même un gang, qui était hospitalisé dans l'hôpital à Port-au-Prince. Et côté que, monsieur était victime suite à échange de tir avec le groupe gang Paeli. Côté que, hier, la police a posé d'arrestation dans le centre hospitalier. Ça. Au niveau commissariat Croix-des-Bouquets, et commissariat Croix-des-Bouquets arrêté et transféré à la DCPJ, Guerlain Saint-Imé, 41 ans, il est en possession de 218 grammes de marijuana au moment de une visite dans la prison civile Croix-des-Bouquets. Et il était dissimulé, non, yon sandal, vendredi 5 novembre qui s'est passé là. Et encore, non, pas des bouquets, DCPJ et la police transférée, bien, commissariat et quoi des bouquets transférés à la DCPJ, va et via BLTS, Peterson Lindor, 26 ans, qui était en possession de 208 grammes de marijuana. Dans Gonaïve, la police procède à l'arrestation Séance Fetson, qui gagne 26 ans. Résilus François, qui a 38 ans, monsieur Sao, t'a rançonné moun nan marché Gonaïve là. Et nous joignons nan monsieur Sao, yon pistolet de calibre 9 mm qui c'est propriété PNH. Et n'a noté que zam sa, nek Sao te volel, quand un policier, il y a de cela 4 ans. Au niveau de l'inspection générale, il y a ensemble de dispositions qui prend pour accompagner les policiers. Surtout policiers qui a mobilité réduite et qui ont un handicap hauteur, chaise roulante, côté que disposition prend pour que tout ça, policier a gagné, qui pour lui, n'est pas déplacé pour le prendre, mais inspection générale a dépêché une équipe qui pour porter la caille, notamment Salel. Et inspection générale tout, là, pour veiller justement à comportement policier. Également, il a tout pour que les veiller tout à bien-être. Et troisième point, au niveau inspection générale, il y a un couloir de communication qui est aménagé avec organisme droit mounio. Parce que nous croyons que l'organisation qui a défendu droit mounio, c'est des acteurs qui sont très importants pour nous au niveau inspection générale et pour permettre que signer des dossiers pour avancer plus rapide. Et pour fin d'année, nous connaissons que c'est culturel chez nous, côté que généralement, mon à l'étranger, et que ce soit côté au Touveau, aux États-Unis, en France, Canada, toujours viennent passer un moment sérieux avec famille. Et déjà, tu as eu une première réunion qui était faite, et au niveau du commandement, et le commandant-chef a passé des instructions. Et il y a d'autres réunions justement qui viennent pour fête avant justement l'événement, et nous connaissons l'événement, c'est 24 décembre, également 31 décembre, côté que généralement, grande population danse à travers les rues de Port-au-Prince, pour d'abord grande présence policière et disposition ça prend avant, pendant et après, de manière pour que nous mettions la population lui-même en confiance et n'a profité justement antenne radio, télévision, médias institutionnels et réseaux pour que nous disions à la population, nous toujours compter sur la collaboration, parce que avec la collaboration de la population, nous croyons que des débats que nous arrivons à résoudre. Et encore une fois, sécurité, pas simplement la police. Généralement, c'est un réflexe. Dès que y a une situation d'insécurité, il y a rapidement référé à la police. C'est vrai que la police est un élément extrêmement important
en matière de sécurité, mais ce n'est pas les mêmes simplement. Il y a d'autres acteurs qui enchaînent sécurité ça, et c'est ensemble pour que nous soyons capables de mettre ensemble, développer une synergie d'action, ou ensemble pour que nous soyons capables de combattre des événements qui liés à la question de sécurité, et tout pour que nous soyons capables de faire face ensemble à problème yo. Et nous avons un gros partenaire population, la police, c'est la population. Question que nous avons fait intervention et dans quelques médias. Et tu as gagné effectivement et des points fixes, patrouilles et checkpoints au niveau et quoi des bouquins et côté que commissariat lui-même. Tu es étonné pratiquement et tout système ni au niveau zone quoi des bouquins. Bon, c'est certain, il y a des côtés qui n'ont pas une couverture. Et tu as gagné un checkpoint et côté que tu as gagné deux véhicules Grand Vitara. Et une de couleur noire, l'autre là de couleur verte, si je me rappelle. Et côté où tu as demandé au campé, n'est-ce pas de campé. Et puis, tu as gagné un échange de tir avec la police. Et information que nous gagné là-dedans, qui est blessé et pas balle. Bon, on connaît que dès que nous avons lui-même, il n'a pas blessé son côté mortel, dans le corps qui permet que lui soit sur place. Et si c'est des blessures, soit dans la poignet ou bien dans la jambe, il est capable, facile pour le déplacer. Et M. Zaté prend la fuite. Et au niveau investigation, il a gagné un peu d'effort qui fait. Et still, il a toujours gagné un peu d'effort qui fait. De manière pour que remonter à ensemble de Mounsao qui était dans Grand Vitara, deux Grand Vitara. Et on a dit tout que deux machines Sao, ils ont été obligés d'abandonner. Et les machines Sao, jusqu'à présent, ils ont dans le commissariat Croix de Bouquet. Pas simplement dans quatre dossiers et assassinat président et Jovenel Moïse, mais c'est dans quatre tout dossiers côté que des mondes que la police, notamment la DCPJ, a pu chercher qui quittait pays, hein, y'a qu'on mettait notice rouge qui, encore une fois, équivalent à un mandat d'arrêt international. Porte-parole, question pour distribution de carburant. Ça passait dans la rue de Jovia. Bon, c'est une question d'actualité, nous sommes capables de dire, parce que un peu partout, à travers les rues de Port-au-Prince, et l'autre côté qui était un problème gaz dans tout, et on voit que il y a un mouvement, et il y a pratiquement des machines qui contre même des espaces, pratiquement à la queue le leu, pour qu'ils soient capables de jouer le gaz. Et nous connaissons que il y a plus que combien de semaines côté que nous n'avons pas de gaz, et ça a provoqué justement et autant de présence, autant de véhicules. Nous avons demandé aux populations hein, et surtout chauffeurs pour que yo capable de comporter yo en monde civilisé et agent et au niveau circulation yo pour que yo capable yo même mettre yo aligner yo et pour que circulation capable fluide, parce que c'est vrai que au besoin de gaz là, mais que l'autre monde tout les mêmes fois que vaquer dans l'activité. On est qui problème zone ça poser. Et c'est pas qu'on y a, et nous sommes conscients de ça. Et la population qui vit dans cette zone souffre de ça. Et il a même occasionné que vous avez quitté ce espace-là, vous avez hébergé en côté. C'est des situations qui sont extrêmement difficiles. Et nous, au niveau de la police, nous sommes conscients et bon côté par nous, et surtout, dans arrivé nouveau commandant-chef, arrivé tout nouveau commandement, gagné. Les stratégies qui aménagées, ou bien cap aménagées pour deux manières, pour que nous capables permettre que la population hein, les mêmes capables circuler sans problème. Encore une fois, m'a fait un flashback à question de sécurité, hein, parce que là il s'agit de sécurité nationale. La police effectivement sont acteurs par les mêmes simplement, et l'autre monde qui vient pour ouais, surtout dans le domaine ça, pour nous joindre avec nous, pour nous dégager synergie d'action ça, et pour que pour nous permettre que population paisible, tranquille, qui vivent dans zone matissant. Et côté que gagne quelques bandits qui empêchent les vaquer libre activité, pour ensemble, pour que nous mettons ensemble, pour nous capables de déloger yo, et même éradiquer yo, de manière pour que les gens capables de circuler sans problème et automobiles soient capables de circuler même à vive allure. Dans toutes les questions qu'a dit Gary Dosier, le ministère de Commerce lui a communiqué pour délimiter les propriétaires. Les directeurs pour gazoline, qu'on puisse pour ne pas vendre gaz de galon. Et en plus, nous estimons que c'est ça qui provoquait tout le problème, ça, hein, qui fait que les citoyens, les chauffeurs, les motocyclettes, les machines, ils ne vendent pas de gaz, normalement. Donc, le ministère de commerce, il m'a dit pour l'autorité concernée,
notamment la police, adopter des dispositions pour permettre que mesures soient respectées. Est-ce que la police parlait pour faire respecter les mesures à gaz qui a donné la non? Et mon vend le gaz là à un prix exagéré, devant pour la même. Deuxième question, quelle information nous avons pour les 17 Américains, 16 Américains en Canada qui jusqu'à présent ont mené 4 Américains? Parfait. Et n'a pas la deuxième question. Nous avons été contacté et responsable cellule contrairement. Et les dit tout que toujours suivre de ça. Moi d'accord. La situation ça yo, il s'agit de vie du monde et nous pas capable élaborer n'importe comment. Et nous pensons que dès que l'évolution dans domaine là, nous souhaitons que nous yo pratiquement bonne santé et de manière pour que un jour et pas trop loin, pas trop longtemps pour retrouver famille. Et concernant le gaz qu'on parlait, hein, bon, sont l'autre qui concernait le ministère commerce, n'est-ce pas? Je pense que c'est mieux pour adresser et question ça à l'autorité dans le domaine ça. Mais nous autres, la police, nous toujours de préférence parler à Mounio pour que yo capable de meilleur comportement parce que dès que le gaz la fait dans la pompe là, gagne, goumen, gagner et type de comportement ça yo ouais que ça capable provoquer et nous ouais des images déjà pense que son meilleur comportement pour que population surtout monde qui parle dans question gaz yo qui parle prendre gaz yo qui ont besoin gaz yo tout de manière pour que yo capable agir en conséquence de manière pour pas gagner de monde qui est victime. Merci, à la prochaine. Aujourd'hui nous ouais que premier ministre Dr. Ariel Henry a parlé de monter prix gaz là sur le marché national. Mesdames et messieurs, la population haïtienne, non, puisque le prix de gaz là, il est monté à travers l'international, nous comprenons une raison qui fait que Dr. Ariel Henry dit que le prix de gaz là a monté sur le marché national parce que l'État a subventionné le gaz là. Et a dit avec l'État, je ne le dis, l'argent est subventionné le gaz là, qu'il est capable de réduire la donne. Et l'agence ça va permettre que investir dans construire l'école, construire lycée, construire un marché, construire l'hôpital de référence, réparer l'hôpital général, finir l'hôpital général et permettre que nous avions une bonne chance et se descendre en dans pays et permettre que investir tout dans l'infrastructure routière, qu'on ait tout route dans le pays écrasé, route Matisse, national numéro 1, national numéro 2, et Gérald Bataille, et Cressine, et Kafou Chabay, tout côté sont écrasés, même là, bon palais national, rue des Casernes, rue Pavé, rue des Miracles, tout écrasé, marché écrasé, et ça, que l'a dit que l'argent est comme subventionné, que ça, il y a un problème. Investir dans ce sens là, là nous allons comprendre. On va demander encore qui pourrait entrer l'argent dans la caisse d'État, c'est et combattre la corruption qui gagne dans l'État, c'est réduire le train de vie de l'État, à savoir que le ministre qui a deux trois machines pour réduire la donne, trois de cortèges de premier ministre. Et l'argent pour être avec le ministre qui l'a joué aujourd'hui, il y a une deuxième maison, il y a une coupelle qui vous permet que l'argent s'aille entrer dans la caisse d'État. Encore, je dis avec Dr. Ariel Henry, si le gaz a monté, et le problème pour le gaz a monté, nous dit que eh bien, l'argent qui va au bénéfice de l'État pour investir dans la population, eh bien, mon capteur avec le facteur, si vous travaillez, ouvrez les yeux, et bien salaire minimum qui a monté. Salaire policier, pour aller monter tout, employé l'État, mon capitaine en banque, qui a monté tout, et en même temps tout, l'argent qui va bénéficier à tout, il va injecter dans la production nationale qui peut permettre de manger en deux pays pour fonctionner. Lorsque il y a paix et sécurité, et le monde n'a pas investi, mais laisse que la sécurité en deux pays, pas de kidnapping encore, le monde à l'étranger, haïtien diaspora, a investi en deux pays, et bien,
pays a une stabilité politique, sociale, économique dans le pays. Même dans tout le pays, Gaza faut monter, et bien ça va avoir un peu de problème avec la population à l'étranger, le pays. Mais ici, par rapport à ma race économique, et bien le problème qui est là. Si il y a un investissement qui a fait dans le pays, et bien lorsque Gaza a monté, ça va faire les choses fraîches, la population qui est là pour travailler, et bien elle est capable de payer Gaza. Et dans ce sens-là, parce qu'organisation des partis et organisations politiques de l'opposition présentées devant la presse jeudi à la, pour nous dire avec l'État ici, Dr. Ariel Henry, Premier ministre, pour prendre responsabilité, pour créer un climat de sécurité, pour finir avec le phénomène kidnapping. Non, mettez, appliquez à quoi on s'est qui dit que faut que le programme d'assainissement social pour que tout militant, tout citoyen a dégagé pour le décembre, pour râler au souffle, pour que nous dit que décembre, population qui a le bel décembre, bien passé, pour que nous effectivement à quoi avancer, nous voyons à côté nous pour aller. Et dans ce sens, ça qui fait que je dis à tout le monde, consentis d'accord pour que nous disions un seul bagage, pays à bagage comme ça, il faut des changements qui fait correctement. Côté jeudi, hein, que ce soit businessman, que ce soit timachan, pas qu'à vaquer à l'occupation par rapport à la question de kidnapping et insécurité qui a augmenté au jour le jour. Eh bien, nous présenter devant la presse matin pour que nous demandions à gouvernement Ariel Henry pour prendre toutes bonnes dispositions nécessaires pour prendre des mesures pour accompagner la population haïtienne pendant la période mois de décembre, parce que mois de décembre sont mois de ravitaillement. Côté chaque mois de décembre, maman et papa petit Timachan, qui qu'on habitué prend ponya, prend escote, eh bien, c'est dans le moment ça, il y a toujours à le faire prêt pour y aller brasser en bas la ville, pour y ravitailler, pour y accompagner petit yo, pour y accompagner famille yo. Et n'a demandé à France LB, qui c'est directeur AI, Général Police Nationale d'Haïti, et malgré nous constater, il commence à faire un bon travail, mais nous demandé, il faut que la présence de la police tout partout dans la région métropolitaine, et spécialement dans la zone rouge, pour que la population soit évacuée avec occupation librement. Parce que je dis, il est clair que pays d'Haïti sont pays crasé sous le plan économique. Le fait que l'autorité qui était là-haut, c'était des autorités donc, qui pas prendre des décisions au profit de la population haïtienne, mais c'était des juifs qui côté que c'est des mouns qui ont joué l'État au détriment du peuple haïtien. Eh bien, je dis, l'État qui l'a gagné pour devoir pour prendre des mesures d'accompagnement, pour accompagner la population sur le plan social, créer des ensemble des programmes dans le quartier populaire, mettre des cantines populaires pour les gens qui sont dans une situation difficile pour l'État accompagner. Parce que je dis, et le fait que pas de création d'emploi, nous constatons que taux chômage continue à monter. Le fait que l'État manque de services, nous voyons que taux d'inflation a pris une vitesse de croisière. Eh bien, je dis, hein, l'État a des responsabilités pour prendre des mesures drastiques pour freiner la question contre les banques qui continuent à faire là. Question de monde qui a franchise. Donc, faut l'État ça penche sur la question ça. Concile honoraire qui a passé à toute qualité marchandises, qui a vendu des armes, qui a vendu toute qualité de marchandises. Eh bien, je dis, hein, faut l'État ça mette un frein. Non, bagay sa yo, parce que c'est le meilleur moyen, une fois que l'État est freiné contre les banques, c'est le meilleur moyen qui permet que l'État li rentre comme, li jeune comme, donc pour que li accompagne la population dans l'optique, donc pour les peuples haïtiens, pour les gens qui sont plus vulnérables, spécialement les gens dans le quartier populaire, les gens dans la section communale qui sont des exclus. Parce que l'État n'a pas pris moun sa yo pour moun, l'État n'a pas pris en considération, eh bien nous croyons que, je dis,
dans le moment, et pendant la période fin d'année, c'est le meilleur moment pour que l'État prenne des mesures d'accompagnement social pour l'accompagner les gens sur le plan économique et pour que, même au niveau sécurité, pour les gens passent en fin d'année dans la paix, dans la sécurité. Merci. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier de vous abonner avec la chaîne. Non? Et toujours songez pour activer la petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous. Son babé à chercher pour nous. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde. Une agréable soirée. Si c'est matin, bon matinée. We'll be right back.